au contrat. Merci, votre honneur. Quoi? Tous nos frais seront payés d'avance? Vous êtes trop bon, monsieur le baron. Alors, hache de guerre, collet, piège à mâchoire, hameçon, cataplasme, bandage, épée de rechange. Bon, ben, je crois qu'on a tout. Dis-moi, Lianchu, est-ce que vous serez parti longtemps? Difficile à dire. Le mamular, c'est pas une bête facile, surtout à la saison des amours. À vrai dire, qu'on reste longtemps ou pas, on s'en fiche un peu. Le baron nous héberge au château pendant toute la durée de la chasse. Suite royale, lit douillet, festin quotidien, et en plus, il le fait gratuitement, lui. Oui, autrement dit, vous avez trouvé une bonne poire pour vous loger à l'œil. Jeanneline, permets-moi de te dire que tu es de mauvaise foi. Si le baron nous a choisis, c'est parce qu'il a su reconnaître nos talents et nos mérites. Il paie les frais, et c'est pas tout, il y a aussi les primes. Et 10% d'avance avant même qu'on ait commencé à chasser le dragon. Et oui, il va falloir que tu acceptes le fait qu'on ait changé de standing. Je te le dis, cette fois, nous allons devenir riches. C'est bien, comme ça, tu vas pouvoir régler toutes tes dettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire un an de gîte, de couvert, de lessive douteuse et de pillage de ma cave. Oui, bon, c'est pas tout ça, mais nous autres, on a de la route à faire. Hein, les gars? Oh. Allez, en route! Faire attendre le client, ça fait pas très professionnel. Alors vous venez ou quoi? Vous savez, l'aventure et le pognon ne nous attendront pas. Tiens, on dirait que ça se couvre. Wisdo, attention! Saperlouille, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Envoyez le machin et restez à distance. Un peu plus à droite. Non, l'autre droite. Tourne-le un peu, je crois avoir vu quelque chose. Hein? Mazette de mazout, vous voyez ce que je vois? C'est un grand volant à long cou. On l'appelle aussi l'horreur rose. C'est le genre de bestiole capable de vous griller un mouton à plus de 30 mètres. Il est très méchant quand il défend son territoire, surtout quand il y a ses petits dans le coin. Ça ne va pas être facile de s'en débarrasser, Guizdo. Attends une minute, qui parle de s'en débarrasser? Ce qu'on va faire, c'est monter dans le Saint-Georges, mettre les voiles discrètement, et hop, on n'en parle plus. Bah, et moi, qu'est-ce que je deviens? Je peux quand même pas rester avec ce machin rose sur mon toit. Désolé de te dire ça, Jeanneline. Mais tu sais, quand les temps sont durs, c'est chacun pour sa pomme. Aussi, je ne vais pas passer à côté du contrat du siècle parce qu'une petite bestiole te bouche la cheminée. Je suis sûr que tu me comprends. Allez les gars, on y va. Si on a un bon coup de pédale, on arrivera au château du baron avant le coucher du soleil. Guizdo, ce n'est pas une bonne idée. Oh, Lianchu, tu es beaucoup trop sentimental. Abandonner Jeanneline n'est certes pas très moral, je te l'accorde. Mais n'oublie pas qu'on est des professionnels. Nous devons d'abord penser à nos contrats avant de penser aux tâches domestiques. Zaza? Guizdo, ce n'est pas une bonne idée. On pourrait peut-être partir de nuit. L'aurore rose y voit encore mieux dans le noir. Bon, récapitulons. Nous avons un an de gîte et de couvert à 30 guinées par jour, tablé et vin compris, bien sûr, le lavage de mes chaussettes et des slips de Lianchu, et enfin, le poids du dragon au prix du marché. C'est d'accord, mais uniquement si on enlève 120 guinées pour chaque dégât causé par la chasse.
J'ai pas envie que tu transformes mon auberge en cendrier géant. Je crois que tu n'es pas vraiment en position de dicter tes conditions. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu ne peux plus sortir de chez toi sans parapluie coupe-feu. C'est vrai, tu as raison, mais il me semble que toi non plus. Ça marche. Bon, fais une croix ici, ici et là. Bon, voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu t'introduis dans le nid de ce monstre à son insu, puis tu attends le moment opportun, une sieste, une pause pipi, et là, hop, tu l'embranches d'un coup d'épée bien placé. C'est simple, efficace, rapide, et surtout sans casse. Ça ne marchera pas, Guizdo. Allons, Lianchu, tu as dit toi-même que ce machin rose avait un fort instinct maternel. Écoute, tout ce qu'on te demande, c'est d'interpréter un rôle, comme un acteur qui jouerait dans une tragédie. Un quoi ? Dans une quoi ? Bon, maintenant, concentre-toi et répète après moi. Je suis un bébé dragon. Je suis un bébé dragon. Oui, je suis un vrai bébé dragon. Je suis un bébé dragon. Je suis un bébé dragon. Oui, je suis un vrai bébé dragon. C'est parfait, maintenant, vole. Voilà, c'est ça. Très bien, bats des ailes. Oui, continue. Imprègne-toi de ton personnage. C'est ça une tragédie ? Non, jeune fille, sache que la tragédie est en réalité une noble forme d'art offrant une vision symbolique du monde, une vision fondée sur le contact entre un récit écrit et l'identité profonde de l'acteur. Ce contact quasi fusionnel, ce choc de la pensée figée et du vivant, constitue un rituel par lequel l'âme humaine se soulève pour atteindre une forme de transcendance sacrée. Tu as compris ? Non. Guizdo, ça ne marchera jamais. Oh, mais si, voyons, tout ira très bien. Tu es un acteur né. Et puis les dragons sont très bon public. Et je suis prêt à parier qu'ils n'y verront que du feu. En tout cas, mon joli, vu le prix que ça va te coûter, vaudrait mieux. Ça y est, il s'en va. C'est le moment ou jamais. Vite, les gars, tous à bord du Saint-Georges. Et rappelle-toi, tu es un bébé dragon. Ça ne marchera jamais, Guizdo. Taratata, pas de défaitisme. Tu sais, les jours de grande première, un acteur doit savoir s'imposer. Allez, saute. Je te dis pas bonne chance, il paraît que ça porte malheur. J'avais bien dit que ça ne marcherait jamais, Guizdo. C'est juste parce que tu te lâches pas, Lianchu. Et c'est un truc plus percutant. C'est ça, mon gars, bravo. La nuque ferme, tout part du tronc. Waouh, misère, on décroche. Waouh, c'est pas mal la tragédie après tout. Allez, vas-y, continue, t'es le meilleur. Continue, mon grand, t'es pile poil dans le ton. Pas couché, sale bête, retourne dans ton lit, allez. Va t'occuper de tes petits, espèce de mère indigne. Ah!
mais si ça c'est pas de la cascade aérienne, je m'y connais pas. Maman! Mazette de mazout, sacré Lianchou. J'avoue que là, tu m'as vraiment bluffé. Un gros bidouin, hein? Donc, cure-dent. Misère de misère, il a oublié de prendre avec lui son outil de travail. Un gros bidon. Un problème? Quel problème? C'est juste un excellent comédien, c'est tout. N'empêche que moi, je le trouve bizarre. Non seulement il fait tout comme les autres bébés dragons, mais en plus, quand je lui fais des signes, il ne répond même pas. Oh là là, quel talent! C'est vraiment un grand professionnel. Bruce, bonne bouffe, à mon avis, tu te fais de la bile pour rien. Parti comme ça, il aura même pas besoin d'épée pour tuer cette chose. En fait, je crois qu'il va la zigouiller d'un coup de dent. Mais il n'a pas l'air bien. On devrait aller l'aider. Je crois que... Dis donc, jeune fille, est-ce que je t'apprends à jouer à la poupée, moi? La chasse aux dragons, c'est pour les grands. Alors, tu vas t'occuper de tes petites affaires et tu vas laisser le travail sérieux aux grandes personnes. Je t'assure, on joue sur du velours. D'ici quelques heures, tout sera résolu. Je l'espère, dans ton intérêt, bien sûr. Agrabouif! Zdo! Tchoudoudou! Oh, mais qu'est-ce qu'il croit à la fin? Qu'on est payé pour rigoler? Dis, Guisto, j'aimerais te poser une petite question. Lianchou et toi, vous êtes orphelins, pas vrai? Oui, et alors? Ben, tu crois pas que ton truc de la tragédie, là, avec en plus le fait d'avoir trouvé une maman, ça a pu lui faire comme un choc dans sa tête? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il l'a eu, hein, c'est ça? Ah, il a enfin tué cette chose? Mais sa perlotte de sa perlouille, cet idiot va essayer de s'envoler? Hé, hey, là! Je crois que tu pousses un peu trop loin! On t'en demandait pas tant, tu sais! Fais pas l'imbécile, Lianchou! Lianchou, non, fais pas ça, non! Possible. Me faire ça à moi après tant d'années, j'y comprends rien. On formait une équipe, unie et complémentaire comme les deux doigts de la main, mais à présent, ils volent vers un pays lointain et moi je me retrouve tout seul. Tu sais, il est sûrement plus heureux comme ça. Ton copain a fini par se trouver une famille. Et toi aussi, tu pourrais en trouver une. Moi qui ai eu trois maris, je sais ce que ça fait que d'être seule. Alors je ferai tout pour que tu ne te sentes pas abandonnée dans ce monde de brutes. C'est très gentil à toi. C'est pas grand-chose. Un mari de plus ou de moins. Ah! Jeanneline, c'est très généreux de ta part. Mais je ne peux pas, hélas, accepter. Je refuse que tu te sacrifies pour moi, car, vois-tu, mon côté gentleman me l'interdit. Ah, je sais que tu me comprends. Ouhou. Il va falloir que tu me pardonnes, Lianchou, parce que je vais faire quelque chose de pas très joli. Je sais que tout le monde sur cette terre a besoin d'une maman.
Le problème, c'est qu'un jour, ces bestioles se rendront compte que tu n'es pas comme eux. Et là, elles te boufferont, ou alors elles te chasseront, et tu te retrouveras de nouveau orphelin. C'est pas eux ta famille, Yanchu. C'est nous, ta vraie famille. Je suis désolée. Yanchu ? Chou ? Au secours, Yanchu, fais quelque chose ! Non ! Ah ! Oh ! Oh ! Je t'en prie, Yanchu, aide-moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Dis donc, Guizdow, tu avais bien dit simple et sans casse. Et on avait aussi dit 120 guinées pour chaque dégât important. T'as pas oublié? Allez, fainéant, aide-moi, Saperlouille. On va en avoir pour plus de 1000 ans à rembourser tous les dégâts. Brouf. Oh, misère de misère. Attention, là-haut, voilà. Ça y est, je crois que cette fois, elle est partie. Nous devons en finir avec cette chose. Bon, oublions le coup du déguisement. Ça ne marchera plus. Il faut qu'on trouve une nouvelle stratégie. Oui, d'autant plus que la première n'a pas été un franc succès. C'est pas la peine, Guizdow. Je vais m'en charger. Mais à une condition. J'y vais seul. Il va les triper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est dingue. Il va pas les laisser partir. Il peut pas me faire ça. Ben, faut croire que si, Guizdow. Thank you.
papillon, ouvre-boîte, la jolie nappe à carreaux et le petit panier de pique-nique, mousse frais, harengs-sort et maillot de bain. Alors, dis-moi, tu n'es pas trop déçu de devoir faire une croix sur le contrat du siècle, Guizdo? Ah, c'est comme ça, que veux-tu? Ceci dit, quitte à être fauché, eh ben, autant l'être pour de bon. Et puis, je crois qu'on a vraiment besoin de vacances. Sans compter qu'il y a cette toute petite clause dans notre contrat qui me donne 10 ans pour te rembourser la casse. Ouais. Tu sais que t'as de la chance que je t'aime bien, Guizdo. Et aussi que je sache pas lire. Mais te fais pas d'illusions. Je mets tout ça sur ta note. Sans rancune, mon mignon. Non, sans rancune. Dis, Lianchu, ça fait quoi de voler dans le ciel? Ce que ça fait? Eh bien, attends, il faut que je réfléchisse. Ça fait... C'est comme une tarte aux cerises qui ne finirait jamais. Ou comme une potée de choux qui ne ferait pas péter. Ben, dis donc. Mais je crois que le plus simple, ce serait peut-être encore qu'on te montre. Tu ne crois pas, Zaza? Quoi? Tu veux dire que je... Oui, tu viens avec nous. J'ai demandé leur avis à Shenlin et à Guizdo, et ils sont d'accord.